Ce qui leur plaisait, c'était l'emphase, les discours sur la politique, les maximes de perversité. Ils apprirent par cœur les dialogues les plus fameux de Racine et Voltaire. Bouvard, comme au théâtre français, marchait la main sur l'épaule de Pécuchet en s'arrêtant par intervalles et roulant ses yeux. Pécuchet imagina reproduire le sifflement de l'aspic. Cet effet manqué les fit rire jusqu'au soir. La tragédie tomba Ils abordèrent la comédie. Il faut disloquer la phrase, souligner les mots, peser les syllabes. Pécuchet n'en put venir à bout et échoua complètement dans ses lunettes. Un jour que Bouvard tâchait de faire comprendre à Pécuchet que je ne suis pas maître, Madame Bouvard, mais continuez, car elle était là depuis une minute et avait plaisir à les voir. Immobile, elle écarquillait les yeux comme devant les faiseurs de tours. Ils s'excusèrent. Elle insistait. Il fallait lui servir quelque chose de bien. Ils la prièrent de leur désigner un morceau. Le choix l'embarrassait. Elle n'avait vu que deux pièces, Robert le Diable, à la capitale, et une autre à Falaise qui était bien amusante et qu'on appelait la brouette du vinaigrier. Enfin, Bouvard proposa la grande scène de Tartuffe au troisième acte. Bouvard, ayant désiré pour ce passage une robe, reparut avec une aube de moine et un Molière. Le commencement fut médiocre, mais Tartuffe venant à caresser les genoux d'ennemis, Pécuchet prit un ton de gendarme. « Que fait là votre main ?» Bouvard bien vite répliqua d'une voix sucrée. « Je tâte votre habit, l'étoffe est moelleuse. » Et il dardait ses prunelles, tendait la bouche, reniflait avec un air extrêmement lubrique, finit même par s'adresser à Madame Borde. Les regards de cet homme la gênaient, et quand il s'arrêta, humble et palpitant, elle cherchait presque une réponse. Pécuchet eut recours au livre et souffla. Signal GPS, galante. Ah oui, s'écria-t-elle, c'est un fier enjôleur. N'est-ce pas, reprit fièrement Bouvard. Mais en voilà un autre d'un chic plus moderne. Et ayant défait sa gote, il s'agenouilla et déclama la tête renversée. Soyons heureux, buvons, car la coupe est remplie, car cette heure est à nous et le reste est folie. Comme vous êtes drôle! Et elle riait d'un petit rire qui lui remontait la gorge et découvrait ses dents. N'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de savoir qu'on vous aime à genoux? Ici on entend les cloches. Un montagnard les dérange, coupa Pécuchet. Heureusement, car sans cela. Et Madame Bordin sourit au lieu de terminer sa phrase. Le jour baissait. Elle se leva. Bouvard l'accompagna à la porte du jardin. Il était encore ému de sa déclamation et elle éprouvait au fond de l'âme comme une surprise, un charme qui venait de la littérature. L'art, en de certaines occasions, ébranle les esprits médiocres. Comment s'appelle votre dernier morceau? C'est tiré de Hernani, un drame. Aussi, vous vous donnez un mal, dit-elle. Ce n'est pas que j'ai du talent, mais pour du feu, j'en possède. Au revoir. Reprit-elle en mettant un espace entre les mots, que vous avez aimé autrefois. Autrefois seulement, vous croyez? Elle s'arrêta. Je n'en sais rien. Que veut-elle dire? Bouvard sentait battre son cœur et ayant jeté un regard autour d'eux, il la prit à la ceinture par derrière et la baisa sur la nuque fortement. Elle devint très pâle, comme si elle allait s'évanouir. Il s'appuya d'une main contre un arbre, puis rouvrit les paupières, secoua la tête. C'est passé, dit-elle. Il la regardait avec ébahissement. La grille était ouverte. Elle ramassa tous les plis de sa jupe et se tenait au seuil de la porte indécise. Voulez-vous mon aide? Demanda Bouvard. Inutile. Pourquoi pas? Ah, vous êtes trop dangereux. Et dans le saut qu'elle fit, son bas blanc parut. Bouvard se blâma d'avoir raté l'occasion. Bah,
elles se retrouveraient. Et puis les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Il faut brusquer les unes, l'audace vous perd avec les autres. En somme, il était content. Et s'il ne confia pas son espoir à Pécuchet, ce fut pour ne pas gêner son ami. Il avait fait un jour...